Le 1er novembre prochain, il sera possible de retrouver Michael Youn dans toutes les salles de cinéma de France. L'acteur revient avec un rôle poignant dans Carbone, un film d'Olivier Marchal. Depuis quelques semaines, celui qui a animé le Morning Live fait la promotion de ce long métrage sur les plateaux de télévision. Ce samedi 28 octobre, Michael Youn a choisi celui de Thierry Ardisson dans Salut les Terriens. Sur le plateau, il parle de tout, de sa carrière et de ses films. Loin de revenir sur ses tics, Michael Youn est fier de parler de sa fille, Seven, et il n'a pas honte d'être un papa gâteau. L'ancien animateur de M6 est prêt à tout pour défendre sa fille face à certaines critiques sur la toile et Non-Stop et Hop! Le vous dévoile la séquence. Sur les réseaux sociaux, Michael Youn n'hésite pas à s'afficher avec sa fille, même s'il tient à cacher son visage sur les photos. Alors que Thierry Ardisson se moque gentiment de l'étonnant prénom de sa fille, l'ancien animateur décide d'en dévoiler sa signification. Elle adore son prénom parce qu'elle est la seule à le porter. Ce n'est pas un titre de film, c'est parce qu'il y a cette lettre dans Je t'aime, explique-t-il. Une remarque qui semble attendrir le plateau est loin de se moquer de l'attitude du comédien, tous saluent son affection pour sa fille. Michael Youn, qui avait fait le buzz en parlant des impôts sur Twitter, raconte son quotidien de père. Le comédien a l'habitude de chanter ses chansons à sa fille et elle adore. Mes chansons dites stupides marchent bien sur les enfants, explique-t-il. Les téléspectateurs ont ainsi pu voir une toute nouvelle facette de l'humoriste.